Par contre, évite de mettre les coquilles parce que la dernière fois qu'on a fait des merveilles, on a mangé les coquilles. Oui, bon, l'autre fois, c'était l'erreur du débutant. Hein. Ah. Il y a une coquille, tu la sors. Ça sort du cul de la poulet, même si je l'ai lavé. Salut les enfants. Aujourd'hui, nous allons faire, enfin, Tissène va faire une recette, ça s'appelle un cheesecake. Non. C'est un brownie cheesecake. Tu vois que tu sais. Non, j'invente. C'est un cheesecake, mais en fait, la base du cheesecake, ça sera un brownie en dessous. Voilà. Donc, c'est Tissène qui va le faire parce qu'on a vu la recette sur le snap de Camilla. Donc, elle a capturé et on va essayer de faire la même chose. Donc, pour ceci, je vous mettrai évidemment tous les ingrédients et la recette en barre d'infos. Mais je vous dis ce qu'il faut en gros. Donc, il vous faudra des œufs. De la mascarpone ou du Philadelphia, de la crème fraîche ou de la crème liquide? Crème fraîche. De la crème fraîche. Non, moi, sur celui qu'on fait, moi, c'est crème fraîche et elle aussi, oui, crème fraîche. Nous, on va pas faire la même base du cheesecake qu'au Philadelphia qu'elle a fait. Nous, on va faire carrément le cheesecake qu'on a fait la dernière fois, la même base, parce que c'était vraiment trop bon. Donc, j'ai dit à Tissène, ben, on le refait pareil au mascarpone. Donc, du beurre. La crème fraîche, du sucre en poudre et du chocolat noir. Et de la farine. J'ai oublié, elle était cachée. Et la farine. Donc là, qu'est-ce que tu vas faire, Tissène, pour commencer? On va d'abord faire fondre 200 g de chocolat. Bon, vous pouvez le faire au bain-marie. Ouais, non, le même micro. Mais en plus, j'ai la casserole du bain-marie. Donc, qu'est-ce que je croquerais bien dans un morceau, là? Du chocolat. Par contre, coupe-le en petits morceaux. Ce que je vais faire. Parce que sinon, ça va être... trop long à fondre. Du chocolat. Voilà, allez, donc là, elle va aller fondre tout ça. Donc là, pendant que le chocolat fond, Tissène... C'est pas mis assez longtemps. Ouais, il va falloir le mettre un peu plus. Tissène va couper... 150 g de beurre. 150 g de beurre. C'est énorme pour 6 brownies. C'est bien gras surtout. Ouais. Heureusement qu'on mange léger. On essaie de manger léger comme ça à côté. Là où on se fait des petits plaisirs de dessert. Ouais. Ça aussi, on va le faire cuire au micro-ondes et après, on va le mélanger avec le chocolat. Mais c'est une blague en fait. Bah oui, si tu mets des petits morceaux comme ça. Là, on est. Ouais, voilà. Voilà, à peu près 150 g. Je vais le faire fondre du coup. Voilà. Et on revient. Je pense que tu peux refaire fondre le chocolat. Ouais. Que le beurre et le chocolat fondent, on va mettre 70 g de farine. Donc là, vous voyez. Bon, on récapitulera. On récapitulera tout ça en barre d'infos. 70 g de farine et 100 g de sucre. On a oublié le topping. Comment ça, le topping? Ah oui. On a oublié de en topping, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Mais eux, ils l'ont fait à Oreo Spéculoos. Donc nous, on va faire... Spéculoos? Oreo, non? Oreo? Ou les deux? Les deux, on va faire. On va faire 3 et 3. 100 grammes. Oh là, non, c'est 100 grammes, sauf que je n'avais pas remis à zéro la farine. Ah, tu m'as fait peur! J'ai eu un sursaut, là. Je me suis dit, faut suivre. Elle va nous mettre 200. Oui, mais j'étais en train de réfléchir au topping, comment il allait. Voilà. Donc là, je vais aller chercher mon chocolat. Et je vais l'ajouter à là, touiller, puis ajouter le beurre, touiller, etc. Comment je vais faire pour l'ajouter, sachant que le bol, il est brûlant? Le chocolat est fondu. Ouais. Tu m'expliques? Tu es galérie. Ouais. Là, elle rajoute. Je touche pas. Le coquéo, il chante. Le chiffon. Ouais, mais là, je suis en train de tenir le chiffon, je vois pas ce que tu fais, du coup. Je voyais que ton bras poilu. Quel culot. Bon, voilà, à peu près. Qui va lécher le plat? Ben, pas moi. Va le mettre à laver, tu vas me salir. Elle va me salir le chiffon. Je te dis, j'ai rien sali, regarde. Le beurre, il est prêt? Il fond. Donc, du coup, maintenant, vous pouvez touiller en attendant. Tu peux. Ouais, c'est mieux de touiller avec ça quand même. Oui, ça serait plus intelligent. Ça sera mieux pour le beurre. C'est toi qui n'es pas intelligente, c'est pas moi. Quel culot, c'est toi, tu le fais, tu me dis, c'est moi. Allez, vas-y. Et du coup, par vous contre, t'en as partout là. Oui, ça s'en fout. On touille. Et après, il manquera juste le beurre et les œufs. Et ça, c'est pour le brownies. Ouais. Ouais, je crois que tu peux rajouter le beurre. On va chercher le beurre et on revient.
Mais il y en a marre des coupures dans cette vidéo. Ouais. Elle a fait bouillir le beurre. Ouais. Du coup, chocolat, il va cuire avant l'heure. Le gâteau. Votre attention, beurre. attention, tu vas m'en mettre partout. Oui, je veux pas me brûler le doigt non plus, tu vois. Non, ça c'est pas grave ça. C'est surtout, j'ai pas envie d'avoir une trace par terre. Le beurre, et ensuite il vous faudra ajouter 3 œufs. Doucement, doux. Calme, je suis pas une attardée de la vie. Hein. Elle me stresse quand elle fait les choses parce qu'elle est trop brusque. Eh, écoute-moi. Soit t'arrêtes, soit tu arrêtes. C'est pareil, ça veut dire la même chose. T'énerves là quand ça fait ça. Oh, j'avais pas vu. Là, et du coup, vous allez ajouter vos 3 œufs. C'est pas chaud là, je vais pas faire cuire les œufs au moins. C'est pas si chaud que ça, hein, je pense. Non, vas-y, mets ton doigt. Non, c'est pas chaud, non. Elle voulait m'ébouillanter le bout du doigt. Voilà, et du coup, vous avez plus qu'à ajouter vos 3 œufs. Et il faut que je me garde du blanc pour me faire un masque sur le visage. Pourquoi tu vas garder du blanc et le gâteau? Mais je veux qu'un peu de blanc, pas beaucoup. Par contre, évite de mettre les coquilles parce que la dernière fois qu'on a fait des merveilles, on a mangé les coquilles. Oui, bon, l'autre fois, c'était l'erreur du débutant. Hein. Ah, là, t'as pris du progrès. Tiens, elle a pris du galon pendant le ramadan. Elle a mis du blanc partout à côté. Oh, en plus, c'est mon blanc qu'il me faut, ça. Regardez ce qu'elle a fait. Oh, j'en ai marre. T'as pris du quoi, t'as dit? T'as pris du galon. Pas de coquilles. Pas de coquilles. Ah, attendez, on va vérifier. Non, il n'y en a pas. Touche pas, c'est quoi ça? Elle est toute petite. Il y a une coquille. Elle est rikiki. Il y a une coquille, tu la sors. Ça sort du cul de la poule, même si je l'ai lavé. J'ai peur. Une cuillère, ne remue pas. Pousse-toi. Une cuillère. Mais elle est toute petite, maman, t'abuses. Non, j'ai pas envie de manger une coquille. Hein. Qui t'a dit que c'est toi qui allais la manger? C'est faux, c'est papa ou Chahine. C'est psychologique, là, je l'ai Tiens. Vu. C'est bon, ça te va? Attends. On vérifie s'il y en a d'autres. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, je te jure, il n'y en a pas. J'ai regardé. La dernière fois aussi, t'as... Non, mais j'en ai marre. J'aurais dû casser les œufs. Chut, toi, Jane, il va entendre. Il va pas manger. Oh, non, mais c'est pas possible. Je vous jure, je ne sais pas casser des œufs. C'est très, très grave. C'est bon, il n'y en a plus maintenant. Il n'y en a plus. Je te jure, il n'y en a plus. C'était les deux erreurs du débutant. Chut, attends, je vérifie. C'est bon, il n'y en a plus, maman. N'abuse pas. Non, j'abuse pas, non. Il n'y en avait pas, ça disait au début. Attends. Quoi, il n'y en a pas, maman. En plus, qu'est-ce que je voulais vous dire? Normalement, c'est même pas dans cet ordre qu'on fait le gâteau. Pourquoi? Les œufs, ça se met jamais en dernier. Qui a dit ça? Moi? J'ai vu ça sur une vidéo d'une meuf qui fait des gâteaux. Tissène cuisinière. Elle a dit, les œufs, ça se met jamais en dernier. On a préparé ça. Du coup, alors je sais pas pourquoi vous. Alors moi, quand je lave mes plats en silicone, comme ça, ils sont toujours blancs. Là, je l'ai un petit peu essuyé avec du soupape, mais ils sont toujours blancs. Je sais pas pourquoi. Du coup, elle a marqué qu'il faut les réserver. Donc ça, on les met là. Ça a mal remué. Regarde le milieu. Oui, attends, juste, je te parle. Vas-y. On va les mettre là et on va mettre le cheesecake par-dessus. Tu veux le faire cuire un petit peu avant? Non, hein. Non, on fait tout cuire en même temps. Ouais. Sinon, il va être trop cuit. Tout à l'heure, t'as dit quoi? T'as dit, ah, mais non, il faut le faire cuire. Hein. Non. Hein? T'as pas dit ça? Non. Je te jure, t'as dit ça tout à l'heure. Non, j'ai réservé alors. Tu m'as dit, ouais, ça va, sinon ça va plus cuire, le cheesecake il va trop cuire. Non, parce que sinon ça va être trop cuit. Voilà, donc là on a fini le brownie. Attends, c'est quoi ça, Curie? Mais maman, c'est le chocolat. Donc là on a fini le brownie et maintenant il faut juste faire le cheesecake. Donc on passe au cheesecake. Ça c'est quoi? Quoi, maman? Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des cookies partout. Oh là là! Bon, allez. Tu les verses pas là-dedans? Si, mais je suis en train de regarder les grumeaux, en fait. Voilà, on remplit. Il faut montrer quand même, parce que Tissé ne voulait pas filmer. Il faut quand même montrer jusqu'à où on l'est, mais c'est toi qui l'as vu, la recette. Ah, mais je ne l'ai pas vu, en fait. Elle a juste mis une photo de ses gâteaux et elle a marqué, mais tout le monde est censé savoir ça. D'accord. Bon, mais je fais la moitié. Bah oui, puisque tu mets... Il y en a trop, là, maman. Ah ouais? Tu vas mettre le cheesecake au-dessus. Mais on en a fait beaucoup, je pense qu'on va pouvoir en faire plus, hein. Ah ben, on fera un gros brownie. Hein? Avec, on fera un gâteau au chocolat, avec le reste. Bah non, on fera un cheesecake aussi, parce que dans tous les cas, il restera de la préparation de cheesecake aussi. Bon, enfin, on va finir de remplir. Ouais. Comme on a mis nos préparations là et qu'il nous reste du brownie, on va le mettre là et soit ça fera juste un brownie et s'il nous reste de la comment on appelle ça, du cheesecake, ben on le mettra par-dessus à voir. Ouais. Ça fera, on le coupera en petit. Ouais, parce que du coup, on a trop de préparation, donc autant qu'on fasse autre chose, quoi.
Bon, on va pas la jeter. Oui, c'est sûr. Mais bon. Voilà. Et on verra s'il nous reste un peu de cheesecake. Sinon, ça sera juste un brownie. Hein. Ouais. Voilà. Donc maintenant, on va passer au cheesecake. Et c'est parti. Bon, du coup, que je vous explique. Dans la recette de Camilla, elle a fait avec du Philadelphia. Et nous, on n'en a pas. Et en plus de ça, l'autre fois, on avait fait avec du mascarpone. C'était super bon. Ça avait un goût de... De flan. Flan aux œufs. Ouais. Vous avez les flans cuits. Ouais. Et du coup, elle a mis 300 grammes de Philadelphia. Donc nous, on va pas avoir 300 grammes. On va voir combien il y en a. Oula. Mais tu sais que le mascarpone, c'est un mélange de... De quoi? C'est un mélange de crème fraîche et de citron. Ah ouais, mais de toute façon, on ajoute de la crème fraîche. Bah, au lieu de mettre une cuillère de crème fraîche, j'en mettrai deux. Ouais, oui, parce que là, ça va, t'as quand même 200. J'ai 200 grammes. Et c'était combien, 300? Ouais. Ensuite, il faut mettre 100 grammes de sucre. Donc, j'attrape le sucre. Hop. Vous mettez 100 grammes de sucre. Je me pose une question. L'autre fois, on avait 250 grammes de mascarpone. J'avais mis 2 œufs. Là, je mets quoi? 2 œufs aussi? Je vais pas mettre 100 grammes parce que du coup, il y a moins de mascarpone. Mais quoi que si, parce que je vais mettre 2 cuillères de crème fraîche. C'est toi, c'est ta recette, c'est toi qui vois. Bon, on va mettre 100 grammes de sucre. Du coup, on met un ou deux œufs parce que c'est toi qui n'aimes pas les œufs. C'est pour ça que c'est toi, je te demande. Non, si, j'aime les œufs, mais j'aime pas trop quand ça se sent dans la recette. Ouais, mais ça n'est pas la dernière fois, comment tu as fait? L'autre fois, j'avais mis 250 grammes de mascarpone, 100 grammes de sucre, une cuillère à soupe de crème fraîche et deux œufs. Mets les deux œufs. Je mets les deux œufs? Non, c'est pas grave. Il faudrait que je garde du blanc pour moi. Pas de cookies. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié cette histoire. Tu voulais pas que je les casse? Mais je suis conne! Mais qu'est-ce que je suis conne? Je veux garder le blanc et je garde le jaune. Ah, tu voulais mettre que le blanc d'œuf? Non, en fait, je veux mettre le jaune et la moitié du blanc et garder un tout petit peu de blanc pour un masque à poignard. Mais alors, il faut commencer ici. Ok. Mais moi, je suis bête, j'ai peur, je stresse. Tu veux que je le fasse? Oui. Oui, oui, je vais le faire. Attends, j'échange avec toi. Ah non, parce que alors, franchement, elle va nous faire une recette et il va manquer la moitié des œufs. Je rêve. Non, on prend juste un petit peu, vraiment qu'un tout petit peu. Genre 2 grammes. Et sur le coup, je rate, tu sais. C'est juste pour un masque à poids noir. Là. Ouais. Il y en a même trop. Ah ouais? Là, du coup, t'as presque pas de blanc. Si? C'est bon. De toute façon, c'est des œufs quand même. Bon. Là, c'est... Ah oui, c'est pour le masque à poids noir. T'as regardé sur ma chaîne YouTube? Non, j'ai regardé sur TikTok. Avec le soupalin. Oui, oui. Oui, ben, je l'ai vu sur TikTok. Oui, bon. Une autre question, moi, ça, je l'ai fait il y a 7 ans. Du coup, on va mélanger ça. J'ai peur d'ailleurs cette vidéo si vous voulez savoir comment enlever les points noirs. Mais tiens. Incroyable, moi qui fais des vidéos dans la vie. Ouais, mais moi j'ai vu sur TikTok en tout cas. Et la crème fraîche? Et la crème fraîche, c'est après que t'as mélangé. Donc là, on touille. Elle m'en fout partout. T'as qu'à pas mettre des trucs partout sur la table, hein. Bon, je touille avec une cuillère, hein, mais bon. Je m'en fous. Ça me permet de faire. On l'a pas rincé. L'autre fois, j'avais terminé avec la machine parce que c'était pas homogène. La machine à quoi? C'est quoi ça? Ah, j'aime pas ça. C'est quoi? C'est, tu sais, le noir qu'il y a dans les œufs. Ah, c'est l'œil du poussin. Bah! Qui est en train de se former. Mais l'autre fois, j'ai fait avec le fouet. C'était génial. C'était tout onctueux. Bref, on va rajouter nos deux crèmes de crème fraîche et tu remueras. Nos deux crèmes de crème fraîche? Oui, nos deux cuillères de crème fraîche. L'autre fois, j'en ai mis qu'une, du coup. Je remuerai. Ouais. Le liquide, ta crème fraîche. Bah oui. Donc. C'est de la crème fraîche pas trop épaisse. Les cuillères à soupe, bien sûr. Je sais pas si j'ai précisé. Une. Deux. Et je remue. Et tu remues. Donne. Tiens, on fait que se passer le téléphone. Ça fait des grumeaux. C'est quoi qui fait des grumeaux? C'est là. Mais l'autre fois, je t'ai dit, je l'avais terminé avec le fouet électrique. Parce que j'avais sorti le fouet, du coup, bah, je m'en étais servi. D'enlever les grumeaux comme ça. Et voilà, maintenant que c'est bien touillé, ben, on met par-dessus, quoi. Après, on tapotera pour que ça soit uniforme. Ouais. Essaye d'en garder un peu pour là, ce serait bien. Je vais essayer. Et s'il n'y en a pas, au pire, c'est pas grave. Bon, après, ça sera un tout mini, sera tout fin. Ouais, le par-dessus, ouais. Parce qu'après, on n'a pas d'autres mascarpone. On aurait pu en rajouter, mais... Ouais, dommage. On n'a pas. Il nous restait que 200 grammes en plus. Du coup, il faut qu'on achète de la mascarpone. Hein. Mascarpone, des œufs. Ouais. Oh, ben, il n'y en aura pas. Ouais. Tant
Tant pis, ça sera un brownie pour le store. Si, il peut y en avoir un tout petit peu. Non, ça va pas être bon. Enfin, imagine, ça se met pas partout. Ben, ça gonflera. Ça va gonfler un peu. On va essayer. On va essayer. Croisez les doigts. Oui, on va essayer. Attendez. Et imagine, ça fait une grosse caca. C'est... Non, on regrette. Sera... Parce qu'un brownie, c'est bon. Hein. Un brownie, t'aurais pu rajouter des noix, là. Non, mais ça sera juste un petit brownie. Oui, mais t'as vu comment il est fait ? Ça, bah, sera ouais. Regarde. Si, il y en a quand même. Hein. Ouais, bon, vas-y. Essaye d'en mettre partout. On improvise. Camilla, tu nous as dit que c'était pour 6. Hein. Il y en a plus que 6, là. Ouais, bon, ça ira. De toute façon, c'est mangeable. Hein. Oui, ce sera mangeable. De toute façon, tout ce qui rentre fait du ventre. Ouais, voilà. Mmh. Et du coup, là, on va rajouter des spéculoos et des oreos. Donc, je la laisse terminer ça. Je vais aller chercher les trucs et on vous filme. On va tapoter, là, pour... Le final de la préparation. On essaie de le mettre à peu près bien quand même. Hop, hop. De toute façon, quand ça va cuire, il avait le topping. Allez. Voilà. Donc, tiens, je te donne le téléphone. Allez, on rechange de main. Et du coup, on va le faire aux oreos et aux spéculoos. On va faire des miettes. Ouais, donc vous prenez juste vos petits trucs comme ça. Vous faites des miettes plus ou moins grosses. Enfin, c'est un topping, ça s'appelle. Ouais. Et vous pouvez mettre ce que vous voulez. Si vous n'aimez pas les oreos, vous pouvez mettre des granolas, des kinders. Ah ouais, c'est vrai, on pourrait faire un tochac. Des boudoirs. Ah, vous pouvez mettre de tout. Des si Kit-Kat. Ouais, si tu veux. Ah ouais, on a des Tic Tac. On a des Kinder Bueno aussi. On a des Kit. Ouais, on va faire ouais. Ouais, ouais. On va faire un petit mélange. On va faire de tout. On va se battre. Comme ça, chacun qui... Ce soir, chacun choisira celui qui veut. Mais regarde, sinon... Ouais, fais-en qu'un au spéculoos, ce sera pour papa et nous, le meilleur, ce sera pour nous. Parce qu'il aime le spéculoos, donc... Là, du coup, on va le mettre à cuire dans ma Cake Factory. Donc, du coup, je vous explique, on n'a pas mis les Oreos, les Kinder Bueno et tout, parce que sinon, ça allait fondre dans la machine, ça allait pas être bon. Ceux-là, vous pouvez les mettre, par contre. Oui, parce que ça, c'est des gâteaux, quoi, c'est des biscuits secs. Tandis que Kinder Bueno, Kit Kat et tout ça, on le mettra à la fin, en topping. Ouais, parce que c'est du chocolat. Voilà, parce que c'est du chocolat et ça va fondre. Donc là, on le met en manuel, si vous avez la machine. Sinon, vous le mettez au... Oh, il y a de la farine partout. tiens-le, parce que je ne peux pas réfléchir. Donc là, on va le mettre. C'est, il y a marqué 30 minutes, on le met comme ça. En manuel, 180 minutes, c'est non, ça ? Non, c'est 160. 160 ? Ouais. 160 degrés, oui, degrés par minute. À combien de minutes ? Elle a mis 30. On met combien ? On met 25 en cas où ? On va mettre 30, non ? Si elle a mis 30, c'est bon. Ouais, j'ai l'impression que c'est beaucoup 30, moi. Bon, allez, on verra voilà. De toute façon sur les... Et celui-ci, du coup, on l'a fait au Kinder... aux Oreos, voilà. Voilà, voilà. On vous montrera le résultat après. On vous montrera aussi notre table si vous voulez, parce que vous avez bien aimé la dernière fois quand vous a montré notre table du Ramadan. Donc, je vais quand même vous montrer ce que j'ai fait. J'ai fait pour le moment. Alors, la dernière fois, je vous ai montré, j'avais fait la harira. Là, j'ai voulu faire une harira, mais pas comme la dernière fois. En fait, ce que j'ai fait là, c'est que j'ai mixé carottes, oignons, courgettes, coriandre et les tomates. J'ai tout mis là, j'ai tout fait revenir avec de l'huile d'olive. J'ai tout mis là, j'ai rajouté des pois chiches, l'eau, un maggi, les épices, les mêmes épices que la harira. Et je l'ai fait cuire. Donc là, regardez comment c'est super beau. Et 5 minutes avant, je rajouterai les vermicelles 5 minutes avant de servir. Et puis voilà. Donc là, on a fait ça. Ensuite, on va faire le pain. Là, j'ai mon pain qui est en train de gonfler. Je vais vous montrer. Tant qu'à faire, je vous montrerai puisqu'on y est, on y est. J'ai mon pain qui est en train de gonfler. Là, je ne vais pas tarder à le mettre au four. Et ce soir, Shine, il va manger... qu'est-ce qu'on a dit ? VG. Comme au McDo. Un wrap VG, c'est-à-dire un wrap... Un quoi ? Un VG. Un wrap végétarien avec la viande... La viande... La galette de pommes de terre. Ensuite, il y a des... Enfin, je vous montrerai ce qu'il y a sur la table. Je vous montrerai ce qu'il y a sur la table. Ah oui, et là, on va préparer les... Non, je les ai déjà filmés. Ah oui, mais on aurait pu faire une vidéo. Je vous montrerai le résultat. Là, on va passer au... On va faire les semaines, mais pas la vraie recette. Avec des feuilles de briques. Il y a déjà la recette. Je vous la mets ici, la recette. Ici, là. La recette que j'avais déjà filmée l'année dernière. Et puis, je vous montrerai la table. Bon, du coup, les gâteaux, ça a donné ça. Finalement, je les ai mis à 180 degrés parce que 160, c'était pas assez fort.
Donc du coup, le spéculoos il est là, l'Oreo il est là, et là on a fini avec, on a mélangé de tout, du Kinder Bueno, là aussi on a mis du Lion, on a mis du Snickers, on a fait un peu de tout, voilà ce que ça donne. Voilà, ça a débordé un peu des moules, mais ça sera très très bon. Du coup, je vous montre la table. Alors finalement, j'ai fait, pour Chachouna, je lui ai fait le veggie, un veggie, c'est un, comment on appelle ça déjà? Un tacos, non? Un tacos veggie, comme au McDo. La petite soupe que je vous avais dit. Les petites pizzas au fromage. Et les briques avec la garniture. Le pain. Ça restait des restes d'hier. Et comme il n'y a plus de date, ben j'ai mis ça. Voilà, j'ai mis des fruits secs. Voilà. C'est la dèche en ce moment de date. Bon, du coup, celui-là, il s'est transformé comme ceci. En fait, je crois que je l'ai un petit peu trop fait cuire. Je suis partie manger, j'ai oublié dans le four. Heureusement, le four, il s'est arrêté tout seul. Mais du coup, il n'y a plus le... Je sais pas où il est passé, le... Oh, c'est devenu un truc sec. Le cheese. Ah là 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 là. Bon, c'est pas grave. On va le manger quand même. Une fois découpé, il sera très très bon. Démoulé et découpé, ce sera parfait. Bon, mais voilà, j'espère que cette petite recette et ce petit suivi... de ce que j'ai fait pendant pour le store vous a plu. Voilà, si vous avez des idées de vidéos ou autres, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire évidemment. Vous pouvez activer aussi la petite cloche pour suivre quand je mets une vidéo sur YouTube. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram, sur Snap et TikTok, parce que je suis très très active. Bon, en ce moment sur TikTok, j'avoue, je suis pas très active, mais en tout cas, je m'éclate, je me régale sur TikTok. Sinon, voilà, n'hésitez pas à me suivre là-bas. Sur Snap, je suis très, très active aussi. Instagram en story, c'est pareil, parce que je mets les stories Snap sur Instagram. Et puis voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Rien du tout. Voilà, je vous mets la recette en barre d'infos, évidemment. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.